Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de posture. Donc, on va essayer justement de ne plus se retrouver dans cette position, mais plutôt d'essayer d'aller se redresser. Donc, on part sur un petit entraînement de 10 minutes. Je prends mon portable et on est parti. Et premier exercice, on va venir justement faire ouverture et on redescend. Ici, je tire les épaules et on revient là. Très bien. Parfait. Exagérer le mouvement. Vraiment, je suis ici et je tire mes épaules en arrière. Je rentre et je tire. Super. Inspirez pour justement pouvoir encore plus donner d'ouverture au niveau de la poitrine. Je souffle et j'inspire. Très bien, on va travailler pendant 40 secondes. Il nous en reste 10. Très bien, et on se redresse. Ok, alors prochain exercice, on va mettre les mains donc au sol. Donc là, on a 20 secondes de récupération. Et on va venir donc fixer nos épaules et les défixer en gardant les bras tendus. Allez, il nous reste 5 secondes. On se met en position. Très bien, on part d'en bas. Et je monte. Et je fixe. Ça peut paraître anodin comme petit mouvement, mais je peux vous assurer que pour certains, ça va être compliqué de ne pas fléchir les bras. Très bien. Parfait. Super. Allez, c'est bien. Allez, on pousse bien et on garde les bras tendus. Je fixe et on défixe. Très bien. Ok, alors ensuite, prochain exercice, donc pareil, on a les bras qui sont tendus ici, on va venir fixer et ensuite on va venir ouvrir avec nos bras sur le côté, ok? Alors il nous reste 5 secondes, donc pensez toujours à garder les bras bien tendus. Je fixe et on ouvre, très bien. Là je défixe, je fixe et on ouvre, parfait. Super. Et on ouvre. Parfait. Ça va vraiment vous apprendre à avoir de la bonne mobilité déjà au niveau de vos épaules. C'est super important. Très bien. Ok, on relâche. Ensuite, on va se positionner sur le ventre et on va faire des petits ronds sur le côté. Donc, je vais me mettre comme ça. Je pense que là, vous voyez bien. Très bien. Donc, mon menton va rester vraiment collé au sol. Je positionne ici. Très bien. Et petit rond. Et toujours, on garde la fixation au niveau de nos omoplates. Très bien. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Hein. Prenez votre temps. Mais gardez vos omoplates fixées. Très bien. Super. Ok. On récupère. Donc on va rester dans cette position. Et maintenant, vous l'avez compris, je pense, on va aller dans l'autre sens. Donc là, moi, je suis parti vers l'intérieur et maintenant, je vais faire ça vers l'extérieur pendant 40 secondes, toujours en gardant la fixation au niveau des omoplates. Allez, on est parti. Très bien. Allez, ça va chauffer là. Ouh.
Allez, allez, c'est bien, lâche pas. Ok. Parfait. Ensuite, on va se mettre assis avec les mains comme ceci derrière. Donc, vous allez vraiment tourner vos mains, vraiment bien les ouvrir. Et en fait, on va relever le bassin en regardant vers le haut. Allez. On est parti. Ok. Et resserrez à chaque fois vos omoplates derrière. Et on regarde vers le haut. Super. Parfait. Et on pousse bien le bassin en extension complète. Et essayez de garder la tête derrière. Ok, très bien. Alors, allez vite trouver un mur sur lequel vous adossez, super important. On va positionner vraiment les fesses au bord du mur, le dos collé, la tête collée également. Ensuite, on va positionner les bras comme ceci et on va vers le haut. Très bien. Et on grandit. Super. Allez, c'est bien. Allez, on lâche pas. Je sais que ça tire au niveau des épaules. Je sais que ça tire au niveau du haut du dos. Mais on ne lâche pas. On va jusqu'au bout. Ok. Très bien. On va se repositionner ensuite sur le ventre. Ok. On va avoir les bras qui vont être devant. On va imaginer qu'on a une barre dans les mains. Et on va la serrer très fort la barre. Et ensuite, on va venir fixer ici en relevant le haut du corps. Et je fixe. Allez, serrez les mains très fort et on fixe. Super. Ok. Très bien, on va repositionner notre corps assis comme ceci. Ensuite, on va ouvrir les mains, un tout petit peu moins ouvertes que tout à l'heure. On va les avoir ouvertes sur le côté. Et ensuite, on va se lever. Et on est parti. On va fixer ici. Et on revient. Je pousse en fixant et je reviens. Très bien. Super. Et on ouvre. Allez, c'est bien. Il nous reste deux exercices. Allez, 20 secondes, on a fait plus de la moitié déjà. Et on fixe. Les fesses ne touchent pas le sol quand on revient. Très bien. Et la tête en arrière. Ok. Dernier exercice, les amis, on lâche rien. Et donc là, on va se placer sur le ventre. Allez, il nous reste 10 secondes. J'espère que vous le voyez bien, très bien. On garde le menton au sol, les bras tendus, on va passer derrière et devant. Allez, on se prépare. Top, c'est parti. Ici, j'ouvre. Très bien. Allez, on essaie de se grandir au maximum. Très bien, prenez votre temps. Ça sert à rien d'aller vite. Même si c'est compliqué pour certains, même si vous touchez le sol, c'est pas grave. Essayez de ne pas lâcher, on va jusqu'au bout. Allez, c'est bien. Allez, 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 allez. On lâche pas. Il nous reste 10 secondes.
Ok. Ouais les amis, j'espère que ce petit entraînement vous a plu. Ça chauffe énormément sur l'arrière des épaules et sur le haut du dos. Super important, hein. On a tendance vraiment à se tenir dans cette position. Moi le premier, je fais beaucoup d'exercices sur la chaîne antérieure, ce qui fait que je suis pas mal avec les épaules en avant. Et moi surtout, j'ai la tête aussi qui est en avant. Donc ça, il faut vraiment que je le corrige à chaque fois. Donc si vous êtes dans le même cas, super important de faire ces petites séances assez régulièrement. Donc 2-3 fois par semaine, c'est vraiment important. Hein. Sur le travail de redressement et de fixation d'omoplates. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel entraînement. Ciao les amis et prenez soin de vous. Bye.